L'incontinence urinaire par impériosité, ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale de l'homme, bien, des premières causes, c'est finalement le développement de la prostate. Alors tout ça est assez paradoxal. L'hypertrophie prostatique va entraîner une gêne à l'évacuation des urines. Donc la vessie va se muscler pour que les urines franchissent l'obstacle prostatique. Et par cet excès de musculature de la vessie, eh bien, le patient va ressentir des envies anormalement fréquentes et surtout anormalement soudaines, qui vont venir de manière totalement imprévue. C'est une des causes principales d'hyperactivité chez l'homme. On n'oubliera pas néanmoins, et c'est pour ça que c'est important de consulter, que beaucoup d'hommes ont fumé ou fument, et que le tabac est un facteur de risque de polype de la vessie. Et lorsqu'arrive une hyperactivité vésicale, de manière assez soudaine, assez récente, que les choses se sont installées rapidement, il est important de consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas, notamment s'il y a un tabagisme chronique, qu'il n'y a pas une petite lésion dans la vessie. Ça fera partie du bilan qui sera réalisé par le médecin.